Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un Chevy Van, un Chevrolet G10, qui est un véhicule de 1979. C'est un petit utilitaire qui est très très intéressant, car il se présente dans un excellent état. Et en fait, c'est un véhicule qui était notre véhicule un petit peu de transport pour toutes nos pièces, etc. Et nous avons décidé donc de le mettre à la vente et nous lui avons fait une petite réfection extérieure au niveau de la peinture, des pare-chocs, etc. Et il est disponible aujourd'hui, prêt à partir pour éventuellement une personne qui souhaite avoir un utilitaire original. Alors il date de 1979, la couleur extérieure c'est Russet métallique, c'est une espèce de marron métal. Il est en excellent état. Nous avons des pneus neufs, échappement neuf. Nous avons également fait tout l'allumage, le refroidissement, radiateur de chauffage également qui a été changé. Ce véhicule est en excellent état. Vous avez également une direction assistée. C'est un moteur V8 d'un peu plus de 4 litres et il fonctionne à merveille. Il a fait énormément de kilomètres pour nous. Il est fiable. Vous pouvez partir avec par la route sans aucun souci. C'est un véhicule absolument génial. Alors, c'est un grand classique fin des années 70 chez Chevrolet. Il est dans des configurations différentes à la vente. Vous avez la version, bien sûr, qui est l'utilitaire classique. Ici, on a une version utilitaire un petit peu plus évoluée, car nous avons ici une vitre latérale qui a été faite de série. Donc ça, c'est une option assez rare, mais elle est au catalogue. Mais cela reste quand même un utilitaire. Alors évidemment, on a un compartiment de conduite qui est absolument en super état. Et vous aurez constaté la moumoute absolument partout sur le capitonnage intérieur de ce véhicule. Vous avez ici donc des choses qui sont très kitsch, mais qui sont en excellent état. On a également des sièges qui sont en super état. Pourquoi ? Parce que ce véhicule, qui est d'origine canadienne, n'a que 67 000 km. Oui, vous l'avez bien entendu, 67 000 km, ce qui est quand même très très peu. Ça, c'est un élément quand même assez important. Et comme je vous disais, c'est un utilitaire, voici. Alors nous, on a prévu une petite banquette qu'on vous laissera pour celui qui veut éventuellement l'utiliser. Car en effet, on pourrait fixer une banquette à l'arrière, mais je pense qu'il faudra repasser par une configuration carte grise. Néanmoins, vous pouvez l'aménager aussi comme un camping-car. Il est complètement aménageable. Vous avez déjà le capitonnage intérieur qui éventuellement peut très bien faire l'affaire. Au niveau du tableau de bord, on a juste des petites boursouflures ici qui ne sont pas énormes. Et on a tout un ensemble de documents d'époque qui sont disponibles, bien sûr, en français. Et c'est un moteur V8, donc il a un joli bruit au démarrage et sur la route, il est super sympa à conduire. Vous avez cette porte latérale qui, elle, donc, va nous donner la possibilité d'accéder latéralement dans ce véhicule. Donc, on a également laissé ici un petit système, ça c'est éventuellement c'est cadeau. Voilà, vous avez le poste de conduite, c'est une boîte automatique, c'est également un véhicule qui a une direction assistée, ça je vous cache pas que c'est super intéressant. La roue de secours à l'arrière comme dans la bonne configuration, vous avez des petites lampes éventuellement que vous pouvez rajouter. Voilà, c'est vraiment un véhicule très sympa. Le plancher, lui, est brut de fonderie. Il y avait une moquette qu'on a décollée parce que c'était pas très propre. Donc là, maintenant, c'est à vous de jouer. Celui qui veut l'acheter, il se fait un aménagement comme il le souhaite. Au niveau carrosserie, il est absolument parfait. Il n'y a absolument rien à dire, pas du tout de corrosion. Il est en super état. Des échappements inox que nous avons mis dessus. Donc, il fait un bruit, je vais vous le démarrer tout à l'heure, absolument génial. Les pare-chocs ont été repeints, donc ils sont comme neufs. Vous avez l'ouverture est à l'arrière également, toujours avec notre moumoute sur les portes. Vous voyez quand même qu'il y a un beau volume de chargement. Le toit est en excellent état également. Vous voyez que les latéraux également sont pas du tout abîmés, pas de bas de caisse pourri, les portes non plus. Les pneus sont neufs, de beaux enjoliveurs Chevrolet. Vous avez bien sûr les
rétroviseur et on a retrouvé les docks d'époque qui, chose exceptionnelle, nous montrent la couleur du nôtre tel qu'il est configuré, sauf que nous on a peint les gens en noir, ce qui lui va beaucoup mieux. Il a existé bien sûr en utilitaire familial, en petit Chevy van, et dans ce catalogue on vous propose également de vous le livrer neutre et de l'aménager à volonté comme c'est aujourd'hui la grande mode des van lifers. Donc voilà un beau produit, et bien ici vous avez la confirmation de ce que je vous disais, il existe bien avec une vitre complémentaire, une window, une sliding door, donc c'est exactement la configuration du nôtre. Et vous avez donc des suspensions direction assistée vraiment modernes pour ce type de véhicule. Et je vais vous le démarrer. Voilà ici la configuration. Donc il est bien en kilomètre heure. Vous avez également miles. Tout fonctionne. Le radiateur chauffage est également chauffage. C'est également opérationnel. Et on a la radio qui ne marche pas. Voilà, je vais vous le démarrer. Fait un joli petit bruit, un beau V8. Un petit côté sympathique. Évidemment, ça peut être un véhicule également utilitaire que vous pouvez personnaliser. Chevy Van 10. Vous voyez que la calandre est en bon état. Pare-choc avant également repeint. Il est complètement complet, il ne manque rien, tous les accessoires fonctionnent et je vais vous montrer la mécanique. Compartiment moteur avec notre moteur V8, carburation, tout ça, ça a été revu, le freinage également a été refait, j'ai toutes les factures. Il est prêt à prendre la route. Que l'intérieur est très très propre. Alors je dois signaler juste le siège conducteur ici, comme vous voyez au fond, qui est déchiré malheureusement. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de corrosion au niveau des jonctions d'ailes, etc. Également à l'arrière, les vitres sont teintées. Un joli bruit de V8, c'est un peu un Scooby-Doo version utilitaire, véhicule absolument indémodable, une classe pas possible, très sain, prêt à partir, vous pouvez me faire confiance, on a roulé avec ce véhicule et il va très très bien, il a été fiabilisé, vérifié, contrôlé, il cherche maintenant un nouveau propriétaire, peut-être que vous serez le prochain. Voilà, merci et à très bientôt.